Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Si vous avez suivi l'actualité, vous avez dû voir l'Ukraine se faire envahir par la Russie. Ici, on parle pas politique, mais on va rendre hommage à l'Ukraine et faire de cette voiture, vous vous en doutez bien, leur drapeau, leur symbole de liberté. Mais avant que la vidéo commence, si vous passez un bon moment, je vous invite à mettre un like, un petit commentaire et pourquoi pas partager une des vidéos de la chaîne, ça fera extrêmement plaisir. La voiture aux couleurs de l'Ukraine, c'est parti! Watching it end again and again. I feel it in waves, you follow me. Drift into places I should leave. La voiture aux couleurs de l'Ukraine est enfin terminée. Bon, je dois vous avouer, on a mis beaucoup, mais vraiment beaucoup de scotch. Et ça tient toujours pas. We'll be right back.
Bon, je vous explique. On a eu une petite réaction. On vient de passer devant la voie du Nord. Bon, je pensais juste leur montrer la voiture en globalité avec le drapeau de l'Ukraine et quelques stop-wars, ce qui fait réagir à ce qu'on a vu. Sauf que là, on a eu le droit à un petit questionnaire. Bon, pas de café, mais on a eu le droit à un petit questionnaire, répondre à tes questions, et elle a même pris des photos. Merveilleux, merveilleux. On fait choquer les gens, mais on arrive à faire réagir des rédacteurs. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Bon, bah, on y retourne. Allez, let's go. Ça va? Ah ouais. Ah, c'est vieille. Bon, on a fait court, on est passé, on a eu des réactions, les gens ont fait les choquer, ont regardé, mais ils n'ont pas daigné venir nous dire bravo pour ce que vous avez fait, bravo pour votre soutien. Bravo pour... Enfin, nous aussi, on soutient l'Ukraine. Non, j'avais l'impression, c'était des regards de haine. Genre, qu'est-ce que t'as fait avec ta voiture, quoi. Enfin, je sais pas. T'es là, tu veux donner ton coup de pouce pour l'Ukraine. Tu veux montrer que toi aussi, tu veux faire quelque chose, même si c'est pas grand-chose. Je veux pouvoir faire quelque chose. Je l'ai fait. Mais les gens n'ont pas daigné venir dire bravo pour ce que t'as fait, c'est bien. Nous aussi, on soutient l'Ukraine. Genre, venir mettre un mot. Non, non. J'ai eu le droit à des regards de... Pas de haine, mais pas loin. Genre, l'impression que je vais leur amener Poutine, quoi. Enfin, je sais pas. Je sais pas. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Partagez cet hommage, c'est très important, et que la paix revienne vite. N'oubliez pas, pour montrer votre engagement, je vous invite à liker, commenter, le soutien, c'est très important. Si vous aussi vous souhaitez soutenir l'Ukraine, ou au moins montrer votre soutien à l'Ukraine, faites comme moi, décorez votre maison, votre grand-père, votre père, ce que vous voulez. Je vous souhaite à tous une très bonne vidéo, c'était Malcolm, salut tout le monde.